approchez. Voici quelqu'un dont on a souvent besoin dans la bonne ville de Rouen. C'est le tailleur Pierre. Il est compagnon. Il est bien sûr venu avec ses outils pour montrer de façon emblématique son ouvrage. Il a une horde sur le dos, de très jolies chausses bien moulantes, teintes à la gaude, que l'on appelle aussi le réséda. Ce sont des chausses à plein fond. Montrez-nous. Ah, ça veut dire que maintenant, entre les jambes, on ne voit plus les vrais. C'était assez inconvenant, vous noterez. Mais comme le vêtement se raccourcit au 15e siècle, eh ben, il faut cacher les vrais, car les vrais et les chemises de lin sont comme si vous vous promeniez en petite culotte, mesdames. Et messieurs, en petit slip. Alors, il a une chemise, une cotte de travail grise, un chapeau de feutre de laine sur la tête et un petit doublet en dessous de laine brune que l'on nomme crâne qui est accroché aux chausses. Et oui, ce qui donne ce côté bien strict, bien serré sur le corps. Ah oui, c'est très